Salut à tous, des débuts plutôt timides pour cette deuxième manche, l'occasion pour nous de vous faire découvrir une première partie des compétiteurs de cette édition 2018. Néanmoins, ce sont tout de même 4 équipes qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, je vous laisse le découvrir en images. Patrick qui nous a parlé du marathon et voilà, ça nous a boosté un peu à le faire parce que c'est vrai que d'une compétition comme ça, mi-rivière, mi-gravière, par chez nous, il y en a peu. Je sais même pas ce qu'on est foutu, on est venu foutre ici quoi. Du coup, ce qui nous a motivé aussi, c'est pour le repêcher comme ça, il y a vraiment de beaux poissons, pas du tout abîmés, puis le cadre est quand même sympathique. Toi, personne n'est au courant. Ouais, je faisais pas d'enduro moi. Moi, c'est Steven qui m'a motivé. La compétition. On a dit qu'on voulait le faire, on s'est inscrit, mais il n'y avait plus de place. Et avec un coup de chance, on a eu un désistement qui a fait qu'on puisse y participer. 3 jours en rivière, 3 jours en lac, ça, c'est une première pour moi. Donc, C'est super intéressant par rapport à faire 2 plans d'eau, aussi bien le lac que la rivière sur l'Isle. Au courant par internet. Facebook, ouais. C'est ouais, on a vu que c'était un marathon, 140 heures. C'est surtout lac et rivière qui... Ouais, tu fais le challenge. Ouais, le challenge aussi. Puis côté première pêche en rivière, surtout déjà. Première pêche en rivière, quoi faire, et puis premier, on va dire. Première pêche en rivière. Ouais, on va bien se casser les dents comme ça. Et donc voilà, on a trouvé ça le challenge intéressant, quoi. Ce qui m'a plu, c'est en gros le challenge moitié rivière, moitié étang. On dit c'est un nouveau défi, on a gravière, rivière, ouais. C'est quelque chose de bon à faire, donc on s'est motivé, et voilà. Écoute, on a une pêche un peu difficile avec le temps, mais ça va, ça va le faire, je pense. On va dérouler. Donc, c'est assez compliqué. C'est un télescope tournant ou quoi? J'ai laissé une canne, là, celle où il y a les 3 dévers dessus. Au même poste, c'est les 3 autres. J'ai totalement changé ma pêche pendant 24 heures. C'est pas fameux pour nous, mais bon, on cherche, on se gratte la tête. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Le secteur est bien et voilà. Et bravo à vous pour l'organisation. Bravo en tout cas, vraiment, c'est super, nickel. Belle organisation. C'est impeccable. Okay. Organisation. Parfait. Au top. Donc oui, les premiers à avoir fait le poisson hier, le gros poisson. La rivière est magnifique, hein. Je pense qu'il y a des gros bébés qui s'y cachent là-dedans. Ah, et ça motive. Oui. Oh, oui, c'est ça motive pour s'y approcher. Gros fiche. Bonjour madame. Bisous. Un petit thé avec des petits gâteaux, s'il vous plaît. Pas beaucoup de carpes, un peu de koi, mais pas grand chose. Ouais. Puis voilà, là c'est un peu plus calme depuis qu'il y a le vent et la pluie. Ouais. On espère cette nuit retrouver la pêche un peu, mais bon. Compliqué. Très compliqué. Pas beaucoup d'activité, bon les températures c'est pareil pour tout le monde. On a réussi à faire un poisson. Ça va se passer, hein. Ouais. Sûrement être compliqué, plus compliqué que la première manche. Ouais, la rivière, ouais. Mais bon. Voilà. C'est pas trop réveillé quand même, hein. Ah non, hein. T'es fatigué, hein. On savait à quoi s'attendre dans le nord. Ouais. De toute façon, le secteur de rivière est super. Bien, les postes sont assez larges. Le temps est très changeant. Là, on attend la fin de la pluie. Logiquement, ça doit dans la soirée se calmer. À la rivière, on est peut-être un peu plus confiant parce que nous, on a l'habitude de pêcher que de la rivière. Ouais. Et c'est une rivière qui ressemble à chez nous. Donc, C'est super les vacances, il pleut. Ouais, il voilà, fait froid, voilà, il voilà. Fiche ma gueule. La prochaine fois, je viens pas. Non, hein. Non, pas trop. Hein. Bien sondé. Non. Essayer de trouver les plateaux, on a des jolies bordures. Jamais. Non. Ah. C'est bien pour ça. Et après, faire gaffe à l'amorçage. Ah non. Ah bah si. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est coupé. Merci. Allez, c'est sur ces quelques moments de rigolade que nous allons vous laisser et vous donnons rendez-vous dès demain pour le bilan des 48 heures et la suite des interviews. Ciao !
viens au fond là. Là, je viens au fond là, c'est bon. T'es grand ? C'est bon. Grand ? Ouais. C'est fini la rivière. Non, mais j'étais bien. Laissez-moi, j'étais à la rivière tranquille. Laissez-moi, je suis concentré, je suis à la rivière.